Bon, ici, Eddy Gabrès, rue on s'en fout, rue des Canonniers, tout le monde va se faire, à Jupy. J'ai vu que Nathalie Bruno a fait trois vidéos, là, sur Radical, enfin, je ne sais pas trop, là. Et puis après, j'ai vu que Barbeau, il a félicité. Donc, Nathalie Bruno, t'as osé faire ça, me détrôner, c'est pas bien. Bon, sérieusement, bon, je vais répondre carrément à ce petit, parce que si Nathalie attaque, c'est qu'il y a une raison, bravo à toi, je m'en branle. Bon, Radical, tu m'as posé hier plein de questions sur la spam et tout le bordel, mais je vais te répondre comme ça, maintenant, direct d'un coup. Enfin, je confonds avec Radical, tout le temps. Radical, t'as pas là, c'est le costipé qui n'ose pas se branler sur une femme, de peur de se faire filmer. C'est un peu stupide, mais enfin, bref, il fait ce qu'il veut. Je vais dire une chose. Hier, je croyais quand même pas que j'allais te raconter des trucs sur la bombe que j'ai à foutre, moi, de tes questions à la con. Tu te crois où dans une enquête policière, tu vas faire quoi? Et tu vas faire un procès à Barbouille ou à l'eau, à Saddam, je sais pas, ou à Duarmo? Tu rigoles ou quoi? Allez, redescends sur terre, un peu, hein? Parce que là, tu commences à gonfler, gonfler sérieusement. Hier, j'ai rien dit parce que c'était chez Kiki. Là, je suis sur ma vidéo, donc je dis ce que je veux. Kiki a fait ce qu'elle veut, elle reçoit ce qu'elle veut, hein. Ça, c'est pas un problème. Mais toi, tu commences à me gonfler avec tes questions stupides et essayer de me troller, juste pour qu'on arrive à tant mieux, du coup, on s'en fout, nous, peut-être 20 000 euros. Et tout bordel, c'est pas ça qui nous intéresse. Tu me casses les couilles, mais tu me casses les couilles. Franchement, c'est Eddy qui te le dit. Il n'y a pas d'aboujojo, il n'y a pas de la SBAM. Tu crois quoi que la SBAM, c'est une secte qu'ils ont fait dans le passé, qu'ils ont la foutre. Et puis, tu confonds des lives satiriques avec des trucs sérieux, même tu. Complètement givré du cerveau, tu t'attaques à des gens qui fument des jouets, des gens qui se prennent des CDB et des gens qui boivent, et toi tu prends des cachetons. Alors, tu crois que les cachetons c'est mieux? Ça qui se t'empêche de gueuler, à part ça, et encore. Parce qu'après ça fait l'effet inverse, tu sais, les cachetons, je m'y connais. C'est pour ça que je fais des cures, les cachetons. Tu vois, je suis arrêté 3 mois, 4 mois, 5 mois, comme je veux. Tu vois, mon pote. Alors, moi, quand je viendrai chez Kiki, moi, je te dis comme ça, gentiment, mais gentiment, tu me poses encore des questions sur la barbe, sur un thème, je te termine. Parce que tu joues au dur et tout ça. Et moi, je te dis, si tu veux jouer au jeu avec Barbouille ou avec un tel, tu vas là, dimanche, chez Barbouille. Et là, ce sera honnête. Mais maintenant, t'as peur, t'as pas les couilles. Parce que moi aussi, c'est gueulé. Regarde, ça va résonner dans le micro. Moi aussi, je fais ça. Et c'est facile de faire ça. Et poser des questions. Oui, mais t'as pas dit, ouais, comme avec Corsair. Mais là, il te l'a mis dans le cul. Et moi, je vais te la mettre dans le cul maintenant. Je te le dis, simplement, parce que là, tu commences à me gonfler, et que je dois toujours faire ma gueule chez Guigui, hein, parce qu'elle veut pas d'insulte. Moi, je te dis, va te faire enculer, carrément, va te faire enculer. Je veux plus que tu me poses des questions là-dessus, parce que moi, ce qu'ils ont fait, c'est leur problème. Dans le passé, ils ont fait du satirique, tu confonds tout, tu crois que c'est une secte et tout le bordel, qui sont des terroristes, je ne sais pas ce que tu as dans la tête, mais t'es un givré du cerveau, mon gars. Va voir ton psychologue, ton psychiatre, tu vas te faire enculer par les Grecs. Moi, je te le dis, je finis ma vidéo, j'en ai bien à branler.
que tu me tends tous, tu es homosexuel. Moi, je te dis parce que moi, si une fille se met à la cam, et elle est jolie et tout ça, tu crois que j'aurais honte de faire la chose? Et que même si elle me fume, moi je dis, ben mets-la sur un truc pendant. Comme ça, je ferai un peu de bus, on rigolera, tout le monde rigolera, tu vois. Parce qu'au moins, moi, je prouverai que je suis un homme. Mais toi, t'es une tapette. T'es une tapette, tu sais pourquoi? Parce que c'est facile de gueuler comme tu gueules, et poser des questions, détourner des trucs et tout. C'est toi le manipulateur, mon gars. Et tu dis que c'est nous. Non. Non, 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 non. Et moi, je suis pas manipulé, moi, hein. Marco, et pour Marco, il te manipule par Marco, te manipule par Barbo, il t'a peur. C'est moi qui commande. Moi, je te le dis, c'est moi qui commande. Et moi, je te dis ça. Moi, je commande. Je commande déjà moi, et je commande des autres. Et eux, ils sont, c'est eux. Moi, je suis pas de la SBAM. Hein. Je fais rentrer des gens dans la SBAM, c'est tout. Pourquoi? Parce que ça me plaît de faire ça. Parce que je l'ai décidé comme un grand. Et eux, qui me respectent ou qui me respectent pas, ou que Marco me respecte ou l'autre me respecte pas, j'en ai rien à foutre. Espèce de glandu. Le principal, c'est que je fais ce que je veux. Est-ce que tu comprends, espèce de pédale? Moi, je te dis, branle-toi, branle-toi, branle-toi et branle-toi. C'est-à-dire que ça te fera du bien au cerveau. Et après, tu dis que t'as une femme, t'as le truc. Qu'est-ce qu'on a à foutre, franchement, même si tu n'aurais pas de femme, que tu aurais une femme. Mais dire ce que t'as dit, tu t'es ridiculisé, déjà. Là, t'es déjà grillé. T'es déjà grillé, mon chouchou. Bref, tu vois, la cage au folle. La cage au folle. Tu connais le feu, la cage au folle. Eh ben, tu vas avec Radical, et tu vas dans la cage au folle. Allez, tous les deux dans la cage au folle. Allez. L'autre qui... fait des menaces à 2 balles. Ça fait 1 an que vous dites que vous allez porter peine sur Marco. On attend. Même sur le viol. Bah. Oui, on attend. Les vrais prêts. Mais c'est vous qui avez lancé les rumeurs. Et ta gueule va jouer au bille tous les deux. Tous les deux. Moi, là, je suis sur ma vidéo. Je dois dire ce que je veux. Mais non, si je vais chez Kiki, que tu m'attaques. Moi, je dirais rien. C'est si je suis. Maintenant, si tu veux m'affronter, tu viens sur ma chaîne. Tu viens, parce qu'on va jouer à ton jeu, mon gros. Tu viens, j'ouvre un live, tu viens sur mon live. Tu peux me cacher, il n'y a pas de problème, on s'explique. Parce que ce qui joue, je ne sais pas faire. Ou alors, on va chez Barbouille, et on s'explique là. Tu comprends, petite tapette? Hé, hey, tu croyais quoi? Parce que je te parle gentiment, je te dis que j'étais ton allié. Mais tu rigoles ou quoi? Je préfère encore supporter Marco. Je te le dis carrément. Je préfère encore supporter Marco. Tu sais pourquoi? Parce que à Marco, hein, s'il aurait gagné plus d'argent, j'aurais manipulé. Et peut-être qu'il m'aurait donné un peu plus de dons, tu vois? Parce qu'il m'a déjà fait des dons, hein, Marco. Et il fait des dons à personne. Et à moi, il a déjà fait 2 dons. Tu comprends? Et alors, quand ma chaîne aurait été manipulée, j'aurais peut-être été sorti avec Marco pour le manipuler, pour qu'il fasse plus de dos comme les autres ont fait des dos. Espèce de tapette de dos douce, quoi. Ne pas juste masturber, juste de peur de filmer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Putain, prends-toi au pied, mon gars. Prends-toi au pied, vis un peu sur de Internet, mon gars. Tu crois que tu travailles sur Internet, tu crois pour un justicier, tu crois pour un avocat, tu crois quoi? Peut-être ça va arriver à quelque chose, parce qu'il y a des vidéos sur Internet, où on aurait dit, c'est comme les vidéos, réfléchis un peu, si les vidéos étaient dangereuses. Hé, hey, mon gars, tu vois le putain de journal de merde, là, que je déteste, là, Charlie Hebdo. Hé, hey, on ne supprime pas le final. Alors, s'ils font des trucs satiriques, on peut rien dire. On peut rien dire. Ils peuvent même dire que c'est des satiriques, tu comprends? Il n'y a que des trucs qui sont interdits. Et là, ils suppriment. Ah, par exemple, si je dis ton adresse, si je mets ta photo, tu vois. Mais si tu fais du satirique, c'est autorisé. Si tu fais des blasphèmes, c'est autorisé. Puisque Charlie Hebdo, c'est autorisé. Et nous, on s'amuse avec vous comme des petites potes que vous êtes, tu vois. Allez, signez ma vidéo.
Si tu soignes ma vidéo, tu seras encore une plus grosse pote. Tu sais pourquoi? Parce que moi, je te donne rendez-vous sur mon live, même sur ton live, mais à condition que chacun parle à son tour. Hein. Parce que si tu es pour parler bababababa et que tu me coupes, non, 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 non. Tu me laisses mon temps, et sans insulte, et tout. Mais si tu commences à les insultes, moi, je te détruis. Hein. Toi, les radical, et tout. La pote, celle qui suce tout le monde, pour un mot là. Alors ça là, un fait rire. Bon, ça là, je l'ai déjà mis, hein. Bon, je ne vais pas l'insulter, c'est déjà fait. Mais tu vas se mettre la doigt dans le cul, hein. Ok. Ça là, tu ne devrais peut-être pas baiser. Et Lola, Lola, avec ta belle petite voix, toi, je sens que tu es amoureuse de Barbouille ou de moi. Hein. Ben bon, puisque tu m'appelles Johnny Hallyday, ben, je vais dire, Lola, je crois que je vais me rapprocher de toi. Je vais venir te trouver. Lola, ma petite chérie, parce que t'es pas une méchante fille, franchement, t'es pas une méchante fille. Moi, je te le dis carrément, je vais venir sur, si tu fais un tel live, je vais venir. Ou viens sur un de mes lives, ou sur Barbouille, ou Couscous, ah ouais, j'ai oublié, tu peux aller chez Couscous aussi, la tapette de Radical. Mais, si t'as pas remarqué, mon gars, c'est qu'on t'a trollé toute la nuit, on t'a trollé, même le corsier t'a trollé. Parce que vous racontez n'importe quoi, sauf une chose qui est vraie. Une chose, mais cherche la vraie chose. Parce que nous, on n'a pas à te prouver quoi que ce soit. Et alors on s'amusait à te troller. Et voilà. C'est aussi simple que ça. On fait tout au jeu, on te manipule. Et c'est toi le manipulé là-dedans. Parce que le roi des manipulateurs, c'est le Dieu Arnaud. Et surtout en sous-marin. Allez, je fais le signe de Duardo, le grand tel, le signe du diable, ou je te la mets dans le cul, tu choisis. Pédale. Tous les deux, vous êtes pédale, et l'autre qui suce tout le monde pour une moto, c'est pareil. Un doigt dans le vagin, un doigt dans le cul. Allez, c'est beau. Bif. T'as compris? C'est nous les méchants. C'est moi le méchant, c'est pas toi, c'est moi le manipulateur. Enfin, c'est pas Marco, c'est pas l'autre qui est folle, c'est pas Kylian, c'est pas... Non, c'est moi, 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 moi. Et il y a des autres manipulateurs qui te frappent le poing. J'ai mis en PLS Barbouille, mais tu rigoles ou quoi? Tout le monde t'a vu que t'étais en PLS pour rien. Tout le monde, il t'a laissé croire ce que tu voulais. Il s'est abaissé, et puis, bon, parce que t'es plus intelligent, monsieur. Bon, on va essayer de croire. PLS, mon gars. C'est vrai, PLS, c'est un peu con. T'as été mis dans les chiottes. Carrément. Et ciao. C'est pas pour parler pour Barbouille, hein. Mais tout le monde l'a vu. Et regarde, Barbouille, lui, quand, sur le live, là, on a bien rigolé. Comme avec Corsair, tu vois. Pouf. Et ne mets pas Sophia là-dedans, parce que la pauvre, elle n'en peut rien. Et vous vous jetez tous sur Sophia comme des cons, parce qu'elle n'a pas su gérer le truc. Tout le monde moquait tout le monde, et comment veux-tu qu'elle fasse? Même quand elle donnait la vie, on lui dit que ça ne marche pas. Allez, il ne faut pas déconner, quoi. Et moi, je lui ai dit, laisse tourner comme ça, c'est moi qui lui ai dit, laisse, tu ne sauras rien faire. Quand là, je pars en couille comme ça, et que tout le monde se jette sur Barbouille, eh bien, Barbouille, il les quitte tous. Et après, les autres, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai dit à la pauvre fille, à la pauvre que vous avez maltraité comme des chiens, je dis pas à toi, mais les autres, là, qui t'aiment bien ou qui te sauce, ils se sont jetés sur elle. Et elle s'est bien défendue. Big up à Diana. Diana, c'est pas Diana, Sophia. Excusez-moi, mais avec tout l'air. Bon. Et alors, maintenant, accepte cette vidéo dans ta gueule et vive Satan et vive Dieu qui te punisse parce que c'est toi les méchants et nous on s'oblige à être plus méchants que vous pour battre les méchants, pas le gentil c'est pas amusant, c'est des tapioles comme vous. Allez, et c'est pas le journal qui parle, c'est Eddie Pédard. Tous, vous êtes des pilards à côté de moi. Tous, tous. Et comme je vais finir la vidéo sans haine,
Big up à tous ceux qui m'aiment, qui me soutiennent comme d'habitude. Allez, je vous en tue les autres. Mais alors bien profond. S'il y a bien manipulateur, c'est bien moi. Moi, je l'avoue. Tout, j'avoue tout. J'ai fait du sale, j'ai fait tout. Tout dans ma vie, tout. Tout, tout. Alors, derrière l'écran, c'est beaucoup plus facile de vous mettre dans le cul. Vous aimez ça. Vous pouvez vous la mettre dans le cul. Ah ouais.